Décidément, j'avais pas mis mon micro en route. Comment ça va, mon public d'enfer? Ouais! Comment vont les internautes? Regardez bah, les disponibilités qu'on a dans l'agenda. C'est vous qui allez prendre contact avec notre webmaster Claude. C'est vous qui organisez votre planning. Et on reçoit, on organise le dimanche après-midi et le direct en fonction de vous, chers musiciens. Et d'ailleurs, cet après-midi, on vous a organisé pour les amoureux un après-midi de duos. On reçoit deux duos cet après-midi. On vous fait plaisir, c'est deux duos tendres, on va faire de la musique classique. On verra justement dans l'interview que musique classique ne résonne pas obligatoirement quelque chose de mou et de désagréable. Ça va être du câlin, ça va être de la tendresse. Je reçois en premier le duo Taïga, Thierry et Erika. Donc on va commencer par vous jouer deux petites pièces, des petites sonates, des petites miniatures musicales d'un compositeur violoniste italien qui s'appelle Niccolo Paganini. Thank you.
de chauffe, on va dire. On va maintenant continuer toujours dans le répertoire de ce compositeur. Et on va jouer donc une sonate qui s'appelle la sonate concertante pour donc violon-guitare, qu'il a écrit donc Paganini à l'époque où il travaillait avec Luigi Legnani, où ils étaient donc en duo. C'est une sonate qui a pour fonction d'avoir des questions-réponses entre le violon et la guitare, c'est-à-dire qu'on va se repasser la balle un petit peu des différents thèmes tout au long de cette sonate, qui est en trois grandes parties. Voilà, donc nous allons commencer par un allegro spirituel. Thank you.
Nous continuons dans cette fameuse sonate concertante, avec un adagio très expressif. Terminer cette petite sonate, Niccolò Paganini nous propose un troisième mouvement qui est un rondo, donc un morceau avec une petite partie qui va revenir au cours de ce développement. Allons-y. C'est parti. Thank you.
Alors, pour terminer notre petite prestation à deux, nous allons vous jouer maintenant une pièce qui s'appelle Paçoca, d'un compositeur brésilien qui s'appelle Celso Machado. Je vais donc maintenant vous jouer une pièce pour guitare solo que j'ai composée l'année dernière. C'est une pièce qui s'appelle Taïga Sonoris, qui parle d'un court instant en fait dans la forêt, donc dans la taïga, dans le nord du Canada. Je pars avec mon pupitre. Voilà. Je suis obligé de désaccorder ma guitare, d'avoir la dernière corde qui est normalement un mi, de la mettre en ré, c'est pour avoir une sonorité plus profonde pour la pièce.
Merci. C'était le duo Taïga. Merci Thierry, merci Erika. Quand même, voilà. Je sais pas. Donc, on se revoit juste après pour on discutera ensemble. On reçoit donc le deuxième duo de talent. On reçoit le duo Corde de Novembre, donc Marco et Muriel. Alors on va juste changer, vas-y, rentrez sur scène, installez-vous. Donc on va juste changer d'instrument, donc... Tout à l'heure, nous avions guitare, violon. Là, on va avoir guitare, chant. Corde de Novembre. Bonjour à tout le monde. Donc, le temps que Marco installe son instrument, se branche aussi. Donc, Marco à la guitare et moi, donc Muriel, au chant. Je ne joue d'aucun instrument, donc je n'utilise que mes cordes vocales, du coup. Donc on va commencer avec un petit tour d'horizon. Au départ, peut-être que vous aurez un petit peu de mal à reconnaître, mais par la suite, ça devrait facilement se faire. Enchaîner avec deux titres. Donc enchaîner le deuxième avec un petit air de dépaysement vers l'Orient. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. Of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. I've heard the accusation before, and I'm gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes made some of the lies worth believing. I am the eye in the sky, looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can shoot your blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. 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 Don't leave false illusions behind. Cry, 'cause I am changing my mind. So find another fool like before, 'cause I'm gonna leave anymore. Believing some of the lies, while all of the signs are deceiving. I am the eye in the sky, looking at you. Blind, and I don't need to see anymore to know.
Je vais garder la même langue pour remercier, je dirais à cette heure-ci, Toda Rabba, puisqu'on vient de chanter et de jouer, du coup, en hébreu. Donc là, je laisse la parole au corps de novembre, c'est mais au corps de guitare. Voilà, je te laisse. Mais je reste là, quand même. D'accord. Me sauve pas. Ben, je vais vous jouer une pièce d'un compositeur brésilien qui s'appelle Dilerman do Reis. Cette pièce s'appelle « C'est et la pergunta ». Thank you.
Je laisse la place à Muriel. Donc, la chanson qui suit, donc c'est, vous reconnaîtrez. On va juste dire que c'est un des grands chefs-d'œuvre du groupe Queen. Mais on n'est que deux. Donc il a fallu que Marco réécrive un petit peu les choses et que la fête continue. Alors pour ça, j'ai vraiment un accordage très particulier et pas fréquent. Accorder un petit coup. Il faut toujours qu'il fasse son show lui aussi. Alors comme on en est au niveau de la Saint-Valentin, on va pouvoir en remettre une petite couche.
Est-ce que moi je vais autant de cinéma pour accorder, désaccorder mes cordes? Non, mais les guitaristes, il faut qu'ils trouvent un truc. Donc, bon, vous apprécierez avec quelle dextérité il manipule ses cordes. Il prend un certain plaisir à le faire. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant d'hier, mentir est ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. C'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure. Encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, un rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent. Tant qui se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Oh, je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure. Jusqu'à présent, c'était de la musique, des notes, en veux-tu, en voilà, des mi, des ré, des fa, des sol. Mais il est un groupe qui s'appelle Depeche Mode, qui a de son côté vanté les mérites du silence en nous disant qu'il fallait aussi profiter de ces moments-là. Donc on va vous offrir Enjoy the Silence, profitons du silence à venir, bien sûr. Like violence, break the silence, come
crashing in into my little world. Painful to me, peace right through me. Can't you understand? Oh, my little boy, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do dernière. Si tu veux, avec plaisir. Tu veux la présenter un petit peu? Alors c'est encore Dilerman Dorai, c'est vraiment un compositeur brésilien que j'aime beaucoup, voilà. Ça s'appelle Eterna Saudade, je crois que ça veut dire éternelle mélancolie ou éternellement le spleen, voilà.
Merci. Merci beaucoup.